Mais Jacob, quand il est resté seul, il a tout oublié. Il a tout oublié. Maintenant, dans la crainte, c'est ce que Jacob a essayé de les rappeler au Seigneur. C'était sa prière. Bien-aimé dans le Seigneur, au verset 23, la Bible nous dira, nous sommes toujours dans ce livre de Genèse 32. Il le prit, ça c'est sa famille. Il fit passer les torrents et les fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à la moiture de la hanche. Et la moiture de la hanche de Jacob s'est tenue pendant qu'il lutta avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'est levée. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Jacob aimait beaucoup la bénédiction. Il a volé la bénédiction de son frère. Son père l'a béni. Il a été chez là-bas, il a été béni. Il retourne demain encore la bénédiction à un homme qu'il a raconté la nuit sans pour autant connaître qui était cet homme. Jacob dit non, je ne te laisserai pas avoir que tu me bénis. Oh là là, quelle révélation qu'avait Jacob. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Jacob lui demande non, moi je ne te laisserai jamais sans pour autant que tu m'aies. Mais, si nous regardons cette histoire, cet homme va lui poser la question. Quel est ton nom? Et nous sommes au verset 29. Jacob. Non, nous sommes au verset 28. Au verset 27. 27. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu le nom de Peniel. Car, dit, j'ai vu Dieu en face, face à face, et mon âme a été sauvée. C'est là où Jacob a été sauvé. Il est la perle, la moisse qu'il avait, c'était parti là. Parce que Jacob, Dieu, maintenant, vient de lui transformer. Ouais. Dans le désert, quand Dieu descend, c'est pour te faire du bien. Amen. Dans le désert de notre vie, quelle que soit la maladie qui t'a, quand tu cherches Dieu en vérité, c'est là où tu le trouveras. Parce que Dieu se révèle seulement à ceux qui le cherchent avec tout leur cœur. Amen. Quand on cherche Dieu, Dieu ne se cache pas devant ses enfants. Amen. Quand on le cherche avec le cœur, Dieu se révèle. Okay, quand Dieu se révèle dans notre vie, c'est pour nous faire du bien. Amen. Il ne vient pas pour dire, ah non, ah, je suis venu te voir, mais je passerai dans notre voie pour te bénir. Non, quand Dieu vient dans ta vie, c'est pour te bénir, pour te faire du bien. Amen. Voilà pourquoi Jacob, il a lutté avec Dieu et à la fin, il a été béni. Amen. Quand il a été béni, le frayeur qu'il avait, l'angoisse qu'il avait, n'était plus en lui parce que il est devenu une autre personne de maintenant. Amen. Il était béni de ses parents. Il avait la bénédiction de son frère. Il a trompé son oncle pour être béni. Maintenant, il voulait tromper encore Dieu. Mais pour finir, il est béni. Amen. Bien dans le Seigneur. Là, le désert de Jacob, maintenant, il arrive à la porte du désert. Parce qu'il a, quand il était seul, c'était son désert à lui.
dans la souffrance, dans la crainte, c'est là où il a fallu qu'il cherche Dieu. Bien-aimé, je te rappelle aujourd'hui, quand rien n'est beau, ne te cherche pas à te lamenter. Parce que ne te confie pas à l'homme, mais confie-toi seulement à Dieu. Amen. Pour te confier à Dieu, il faut que tu sois dans un lieu de solitude. Quand tu es seul, il n'y a pas d'ici. C'est à ce moment-là, toi, tourne vers le Seigneur pour lui dire, Père, comme je suis là, si tu n'interviens pas, qui fera pour moi? Dieu, comme il est bon, il va t'entendre. S'il t'écoute et il te répond, toi, tu sors de ce lieu. Parce qu'il va, il ne va pas te laisser là. Il va te sortir de là. Parce qu'il a entendu ta prière. Donc, dans le désert, Dieu vient seulement pour nous parler. Il ne vient pas dans le désert, il y a le calme. Dans le désert, tu entendras seulement l'air qui passe. Tu es là, tu cherches quoi à manger, tu regardes ton frigo, il n'y a rien. Tu dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai rien. Je vais aller m'adresser. Non, je vais appeler cet ami-là pour m'apprêter des fils qui peut-être 20 euros pour me dépanner. Tu appelles, ah ma sœur, ah, moi-même c'est moi aussi, les factures, je n'ai pas tout payé, je n'ai rien. Tu dis, ah bon, merci ma sœur, ça fait rien, je vais essayer autrement. Tu regardes un frère, tu dis, ah mon frère, comme je t'ai vu, je sais qu'aujourd'hui, tu vas résoudre ma situation. Ah non, je suis là dans le tourment. Ah, si vraiment, tu me demandais avec 50 euros seulement aujourd'hui, comment tu me sauves? Je te rends à la fin de moi. Il te dit, ah ma sœur, moi ce que j'avais, je vais le dépenser tout de suite là, je n'ai plus rien. Je n'ai rien là. Tu me dis, qu'est-ce qui m'arrive? Tu vois, ça te pose des questions. Tu cherches encore? Rien. Je dis, bon, ah, comme j'ai mon fils, ma fille qui est là, je l'appelle. Tu appelles, ah, si tu m'avais appelé, deuxièmement, je vais le payer mes factures. Tu es là, tu ne sais pas où. Le Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Tu vas commencer à entendre le vent qui va passer dans tes oreilles. Juste le vent, pas de bruit de vent, qui va commencer à passer. Sache que tu es rentré dans le désert. Là, tu ne verras rien, il n'y a rien que tu verras, sauf le vent qui passera dans tes oreilles. Bien-aimé dans le Seigneur, à ce moment-là, ne cherche pas à te lamenter. Mets-toi à genoux, cherche ton Dieu. Amen. Sache qu'il ne s'est pas loin de toi. Il est là seulement, il est en train d'attendre que toi tu fasses un pas. Le pas que Dieu t'attend de faire, c'est seulement que tu retournes vers lui. Pour lui, Seigneur, comme je suis là, si toi tu n'interviens pas, je ne sais pas où trouvera l'aide. J'ai cherché avec ma force, mais je n'ai rien trouvé. Voilà pourquoi je me retourne vers toi. Père, ne m'abandonne pas, défends-moi. Là, l'Éternel va te défendre. Il va descendre en personne. Parce que lui, pour intervenir, il regarde ton cœur. Il regarde, c'est quoi ton cœur? La disposition de ton cœur. C'est à ce moment-là. Quand Dieu regarde ton cœur, il dit, amen. Là, il peut dire, moi, je suis son Dieu. Là, il va dire, oh bon, je vais descendre maintenant pour aller regarder le cas de mon fils. Là, il m'a appelé. Là, c'est lui-même qui se déplace. Il va se déplacer pour toi. Quand l'Éternel se descend pour te défendre, sache que quand il viendra avec la source. Voilà, j'ai dit l'autre fois que Bartimée, qui était aveugle, lui, là où il était assis, il attendait seulement les jours qu'il va croiser le Seigneur. Ces jours-là, lui, il aura sa part de la bénédiction. Il va voir. Il était là dans son coin où il était assis. Un aveugle, on l'a conduit seulement dans un lieu où il a l'habitude de s'asseoir, peut-être pour demander l'aumône. Il était là. Bartimée, les jours qu'il a appris, aujourd'hui, Jésus passe par là. Ces jours-là, il avait dit, oh, ces jours que j'attendais depuis longtemps est arrivé. Aujourd'hui, c'est mon jour. Il faut que je saisisse cette opportunité. Mais, j'ai dit, qui lui avait appris que Jésus était fils de David? Mais, ça, c'était.